Puis on a l'autre séance de cours. Donc nous avons commencé avec les clés. Nous avons dit qu'il y a trois sortes de clés. Clé de sol, clé de fa, clé du toudre. Et nous avons dit l'utilisation. Ok? Donc nous pouvons continuer pour nous avons clé de sol, nous avons note qui est placée sous clé de sol. Et note qui est placée dans le lit avec interlit en clé de sol. Ok? Donc, on y a, nous voyons la clé de fa. Nous voyons la clé de fa. Ok. Songez que, je dis que la clé est un signe placé au commencement de la portée pour faire connaître par relation le nom de chaque note et la place que cette note occupe dans l'échelle musicale. Ok. Napoué, je dis à, et clé de fa. Une petite récapitulation par rapport avec clé de sol. Changer que nous avons que clé de sol déplacé sur la deuxième ligne. Donc, deuxième ligne en côté non, et ça va nous faciliter que nous joignons et non toute l'autre ligne avec interligne. Parce qu'il y a 7 temps de notes qui c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc, depuis que j'ai une place, une seulement, je suis capable de une place toute l'autre. Donc, ça, c'est clé de sol. Ok, donc, ni ça, le clé de sol. Ok, G. Ça, c'est interlina. Sol, la, ni, si, do, ré, ni, fa. Interlina supplémentaire au-dessus de la portée. Avec sol, ok. Si ma continue, ça c'est la. Si ma continue toujours, ça c'est si. Si ma continue toujours, ça c'est do. Donc ça c'est sol, ni ça c'est sol. Donc ça veut dire que interlit ça veut dire fa, ni, interlit en bas, en dessous de la portée, ré, li, do. Ok? Changez que do ça a. Il y aurait le do médian ou bien do central. Ok? Donc, parce que c'est lui qui sépare clé de sol et clé de fa. Ok? C'est lui qui sépare clé de sol et clé de fa. Donc, il est situé justement entre clé de sol et clé de fa. Ok? Ça va me faire automatiquement non ligne en clé de sol. C'est premier ligne. Mi. Changer que vous comptez ligne de bas en haut. Vous comptez ligne. Les lignes et les interlignes de la portée se lisent de bas en haut. Vous comptez ligne avec interligne de bas en haut. Okay. Pour qui ça va compter de bas en haut, parce que son qui est plus grave, yo, ça en bas est placé. Tant de son placé plus bas dans portée, c'est tant de son grave. Tant de son placé plus haut dans portée, c'est tant de bien deux. Et non li, avec non li, yo, mi, sol. Ok. Deuxième ligne, c'est sol. Troisième ligne, c'est si. Quatrième minute c'est ré, cinquième minute c'est fa. Donc non ligne c'est non ligne c'est mi sol si ré fa, mi sol si ré fa, mi sol si ré fa. Ça c'est le nom des lignes. Première interligne, première interligne, hein, ça c'est fa, deux, la. 3, do, 4, mi. Mi, sol, si, ré, fa, la, do, mi.
Ça c'est mi sol si ré fa c'est non interligno, mi sol si ré fa c'est non ligno, fa la do mi c'est non interligno. Ok, donc ça c'est en clé de sol. Ça c'est pas que dit, ça c'est pas que pour connaître ça. Donc faut qu'on ligne avec interligno, pas que. Voilà. Faut qu'on ni non ligne ni avec interligne, faut qu'on ligne au paquet. Parce que c'est ça qui va servir comme barrière pour empêcher qu'on joue rapide, pour empêcher qu'on joue du morceau vite. Parce que la meilleure façon pour être capable de jouer un morceau, c'est pour qu'on ait non ligne à interligne, la portée, et durer chaque forme ou figure de notre jeu. Clé de fa. En bas de là, nous faisons côté là. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. La clé de fa se place sur la quatrième ligne. La clé de fa se place sur la quatrième ligne, tandis que la clé de sol se place sur la deuxième ligne. Avec clé de fa. Il dit automatiquement quatrième ligne pour tes non. Ok? Il dit automatiquement quatrième ligne pour tes non. Nous allons mettre ça là. Parce que ça nous situe au milieu. Parce que c'est lui qui centre clé de sol et clé de fa. Et ça fait régler do médian ou bien do central. Ou bien do milieu. Ça c'est ré. Voilà. Si nous sommes là, fa, pas ça. Nous disons ni ça c'est fa, pas ça. Fa, F. Ok. On va prendre la décoférence. On va monter avec lui. Ça c'est fa, et ça, mi, et ça, non, fa, pas fa, mi, c'est fa, sol, la, si, et puis ni, ça, c'est do, fa, sol, la, si, do, et là, on va descendre, on va éteindre ça avant fa, ça c'est, éteindre ça, c'est mi, ni ça, troisième ligne c'est ré, deuxième interligne c'est do, deuxième ligne c'est si, première interligne c'est la, première ligne c'est sol, en bas, on descend, sol, interligne supplémentaire en dessous de la portée, ça c'est fa, ligne supplémentaire en dessous de la portée, ça c'est mi. Interne supplémentaire en dessous de la portée, ré, ni supplémentaire, do. Si ma compte est là, combien de ma première là? Bien, 1, 2, 3, 4, et puis 5 do. Ok? Si je gagne 5 do, je vais dire que ça c'est un octave, ça c'est un deuxième octave, ça c'est un troisième octave, ça c'est un quatrième octave. Ok? Donc, ça c'est non ligne en interligne, en clé de sol et en clé de fa. Non ligne en clé de sol, en clé de sol, yo meyo la. Non ligne en clé de fa, yo. Ça, c'est vrai qu'on a l'étudié par cœur. Ça, c'est nous pour qu'on ait yo par cœur. C'est l'exercice qu'on a fait par cœur pour apprendre ligne yo avec interligne. Par exemple, pour pas qu'on ligne yo avec interligne, ou un problème. Ou pas pour qu'on joue. Yon morceau qui écrit sous partition, la difficile bouger, l'or par contre, non lié à l'interlignon, n'importe où. L'or par contre, non lié à l'interlignon, n'importe où. La difficile bouger morceau. Et ça fait, dans le musicien, dans le qui instrumentiste qui joue musique de manière utile, mais c'est plus ça qui va au problème. Ok? Donc ça, c'est censé paraître challenger parce que
yon mal pour apprendre ni pour mémoriser. Parce que la musique, c'est avant tout un travail de mémoire. Parce qu'il faut pour mémoire, il faut être très captivant, il faut pour apprendre vite, il faut pour adapter vite. Okay? Il faut qu'on donne yon à interlio vite. Ça, c'est pas que le jargon musical. Premier, on a besoin de connaître, on a besoin de conduire chaque forme ou figure de notre. Deuxième, on a besoin de connaître, c'est besoin qu'on non-lieu avec éternel. Soit qu'on non-lieu avec éternel ou gain problème. Okay? Donc, là, difficile pour exécuter un morceau et pour exécuter un morceau rapide. Okay? Mais donc, on lieu ou qu'on non-éternel, donc, barrière ça dépend pour traverser les mondes musicaux là, ouvrir pour. Ok? Monde musical savant là, il ouvre pour. Donc c'est la musique savante ça. Ok? La musique de manière méthodique. La musique de manière scientifique. Ok? Il ouvre pour. On va mettre dans l'igno avec un igno en pied de fa. En pied de fa, première ligne c'est sol. Deuxième ligne, sol, si. Troisième ligne, ré. Quatrième ligne, fa. Quatrième ligne, fa. Cinquième ligne, la. Première dernière, la. Deuxième dernière, do. Troisième dernière, mi. Quatrième dernière, sol. Ok? Donc, il faut qu'on connaisse nos lignes avec interlio. Donc, nous avons un exercice pour connaître comment on peut capable apprendre nos lignes avec interlio en clé de sol et en clé de fa. Nous avons un clé de sol. On a un peu de comment on même pouvoir le faire. Et cet exercice, ça y est, fait, multiplier. Ok? Aller avec un mouvement métronomique pour capable situer ou bien dit non chaque ligne avec interlio avec en vitesse graduelle de manière graduelle. Ok, vas-y, de temps en temps on va augmenter et tempo pour situer non ligne avec interlio pour les gens reprendre vite, pour les gens cardio vite, pour les gens ou qu'à situer notre n'importe à vite, tout autant qu'à situer notre n'importe à vite. Donc et c'est autant pour capable de jouer mon soir plus rapide. Parce que deux morceaux, mon soir, il doit durer 30 secondes. Pour qu'à fond semaine, la donne. La même fois, moi, la donne. Pour pas cacher. Raison. Parce que, ou pas qu'on non lié avec interlina. Vite. Parce que, ou pas qu'on durer formio. Durer chaque formio ou bien chaque figure de notre. Il y a un morceau qui dure 30 secondes. 30 secondes. Ça veut dire, non, une minute, tu es capable de jouer deux fois. Non, une heure de temps. Non, une heure de temps. Soit j'ai une heure de temps, il y a 60 minutes là-dedans. Sinon, une minute, tu es capable de jouer deux fois. Non, une heure de temps, tu es capable de jouer 120 fois. Ouais. Tu es capable de jouer 120 fois. Pendant que, au même, tu es capable de jouer une semaine là-dedans, deux semaines, même mois là-dedans. Peut-être que ça, parce que seulement, ou pas qu'on non lié avec interlio bien, ou prend temps pour situer, yo. Et puis, ou pas qu'on durer ni forme, yo, ni figure de notre. Yo. Ok? Ou pas qu'à, et ou pas qu'à faire tous les deux bails en même temps. Pour qu'on ait duré, figure là, pour qu'on ait qui sont. Pour qu'on ait duré son. Durée qui sont. Qui figure et qui sont. Ok? Nous allons mettre façon pour pouvoir prendre clé de sol et clé de fa. Rapide. Okay. On a les là, clé de sol.
Non, mais tes clés de sol, au téléphone, rapidement, clés de sol. Non, ni. Non, des lignes, non, des éternels. Non. Non, des lignes. Non, des éternels. Non, Denis, mi, sol, si, oui, fa. Non, Denis, non, des interdits, fa, la, do, mi. Ça, vous avez besoin de connaître ça, paquet. Ça, c'est paquet. N'a pas les deux fois qu'on y a. Non de lit, non des éternels. Non de lit. Sol. Si. Oui. Fa. La. Et non de lit, en plus de fa. En plus de sol, en plus de fa, non des éternels. La. Do. La do. Mi, do, mi, sol. Ça, c'est nom des lignes et nom des interlignes emplis du sol et ancrés du fa. Ok? Nous te montrons tout à l'heure comment on joigne, mais ça, c'est nom, nom lio, nom interligne. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout premier lieu, depuis c'est notre qui va se jouer premier lieu, c'est sol, c'est mi. Toute note qui passe sous premier niveau, c'est niveau élevé. Toute note qui passe dans le deuxième niveau, c'est sol élevé. Toute note qui passe dans le troisième niveau, c'est si élevé. Toute note qui passe dans le quatrième niveau, c'est ré élevé. Toute note qui passe dans le cinquième niveau, c'est fa élevé. Toute note qui passe dans le premier interlignon entre les deux sols, il y aurait les fa. Toute note qui passe dans le deuxième interlignon entre les deux sols, il y aurait les la. Toute note qui passe dans le troisième éternel, en clé de sol, il y aurait les do. Toute note qui est placée dans le morceau, dans le quatrième éternel, en clé de sol, il y aurait les mi. Depuis, yo pas altéré. Ça veut dire, depuis, yo pas mettez une altération sur yo. Ok? En clé de fa, on y a. Toute note qui est placée sur première ligne, en clé de fa, il y aurait le sol. Toute note qui est placée dans le morceau, sur la deuxième ligne, en clé de fa, il y aurait le si. Toute note qui est placée sur la troisième ligne, en clé de fa, dans le morceau, il y aurait le ré naturel. Parce que il n'y a pas altéré. Toute note cerveau, c'est des notes naturelles, il n'y a pas altéré. Toute note qui est placée sur la quatrième ligne, en clé de fa, mais quel que soit mon son, il est fa. Toute note qui est placée, dans quel que soit mon son, en clé de fa, sous cinquième lien, il est la. Ok? Ok? On allait pour interview. Toute note qui est placée, dans quel que soit mon son, en clé de fa, dans première interlignée, il est la. Mais là, toute note qui passe, mais quel que soit mon son, en clé de fa, dans deuxième interlignant, il y a les do. Toute note qui passe, dans quel que soit mon son, en clé de fa, dans troisième interlignant, il y a les mi. Toute note qui passe, en clé de fa, dans quel que soit mon son, sous quatrième interlignant, dans quatrième interlignant, il y a les sol. Donc ça, c'est un paquet lié. Il faut qu'on ait non lié en clé de sol, c'est
mi sol si ré fa. Non interligne, c'est fa la do mi. Quatre interlignes, cinq lignes. En plus de fa, non ligne, c'est sol si ré fa la. Sol si ré fa la. Première ligne. Sol, deuxième ligne, si, troisième ligne, ré, quatrième ligne, fa, cinquième ligne, la. Interligne. Première interligne, la. Deuxième interligne, do, en plus de fa. Troisième interligne, mi. Quatrième interligne, la do mi, sol. Sol, quatrième interligne, en clé de fa. Tandis que mi, c'est quatrième interligne, en clé de sol. Ok? Ok? Nous voyons faire des petits exercices pour connaître les lignes. Exercice en pied de sol. On va prendre non niveau à l'intérieur. Ok. Exercice avec les lignes. Hein? Les lignes. Exercice avec les lignes. Pour connaître les lignes et les interlignes en pied de sol. Exercice, on commence à voir avec les lignes. Donc si tu places comme ça, on a eu ce avec l'intérieur, comme on voit le cas de vous. Ouais, ma poulie, une après l'autre. Ça vient avant. Parce que la musique là, elle a joué, elle joue comme ça. Donc qui joue avant, donc qui place avant, c'est les jeux. Ok, c'est les quatre frappés. Ok, donc l'or joue tout, c'est notre jeune avant, c'est les vous frappez. Ok. Ça c'est grave. Sans you. Elle dit comment sont montés, comment descendre. Ok? Les maps, je m'en sors. Oui, mais notre map, ça, c'est mi, sol, si, ré, fa. Ça, c'est si, ré, sol, fa, si, mi, si, ré, sol. Ok? Et là, ça me fait, mon cas, je vais parler avec un métronome. Je vais parler avec un métronome. Un, deux, trois. 4, on va aller là. 1, 2, 3, 4, mi, sol, si, ré, fa, si, ré, sol, fa, si, ré, sol. Ok? On va faire comme ça. Et puis, de temps en temps, graduellement, on va augmenter vitesse ça. Ok? On va augmenter vitesse ça jusqu'à ce qu'on aime. Pour qu'on aille vite. Ok? 1, 2, 3, 4, mi, sol, si, ré, fa, si, ré, sol, fa, si, ré, sol. Ok? Comment technique est c'est automatiquement moi ça. Avant de dire, je vais envoyer le pour moi le deuxième cabine après là. Mi, sol, si, ré, fa. Si, ré, donc c'est pas le mouvement qui est sous lit. C'est pas le mouvement qui est sous lit pour moi changer qui note lié. C'est depuis avant, pendant ma dix première. Pendant ma dix première. Et puis, il y a un résumé pour moi deuxième qui suit avant. Là. Pendant ma dix ligne, il y a un deuxième. Là. Pendant ma dix deuxième, là, il y a un troisième. Là. Ok, travail mémoire là. Travail mémoire là. Ok, donc c'est comme ça pour aller graduellement et pour voir qu'on est non lié à quitter un lieu. Rapide, rapide. Ok, ça c'est pour l'igno. Interligne. Interligne.
Même pour les fleurs, pour les yeux, c'est le même déclic là. Ok. Qui ça vient avant? Ça vient avant. Ouais, ça vient avant, ça passe avant l'autre. Ok, ça passe avant, ça passe avant, ça passe avant. Donc ça c'est grave son yo. Comment son yo monte et descend? Comment notre musique a lieu monter et descendre, hein? Ok. Ok. Et qui note va bien pour me jouer avant l'autre. Assez. Fa, la, do, mi, la, mi, fa, do, la, mi, la, do, fa. Ok? Kounya, pour apprendre, changer. C'est automatiquement, pendant moi ça, pour me t'envoyer ça. Pendant moi ça, pour me t'envoyer ça. Parce que ce n'est pas les mains privées là-dedans pour moi. Figure de note là, côté de placer, c'est pas le privé la donne pour moi. C'est depuis avant même que je m'ouvre la donne pour me guetter qui note cap venir, qui prochain note cap venir. C'est comme ça technique. C'est comme ça travail de mémoire là, pas plus facile. Ok? Le fait que je vais mémoriser déjà dans la tête, pour me guetter ce qui est ce qui venir après, on s'en va pas dire ou bien m'a pas le plus rapide. Ok? Bon, avec nos métronomes. Ces formes commencer déjà avec un métronome qui est assez lent. Ok? 1, 2, 3, 4, fa, la, do, mi, la, mi, fa, do, la, mi, la, do, fa. Tout ça c'est fa, tout ça c'est la, tout ça c'est do, tout ça c'est mi. Ouais? 1, 2, 3, 4, fa, la, do, mi, la, mi, fa, do, la, mi, la, do, fa. Ok? Donc, c'est exercice, on va le faire. On va mélanger ligne avec interligne. On va le faire ça. Ok? Le travail de mémoire, là, faut que tu as fait. Faut que tu es capable de situer. Et non, ligne avec interligne. Ok? La mguette qu'on est toute sa honnête là, c'est fa. Toute sa honnête là, c'est la. Toute sa honnête, c'est do. Toute quatrième interlinéaire, c'est mi. Mi, mi, mi. Do. La. Fa. Ok? Ok. On a parlé pour clé de fa. J'ai clé de fa. Sol, si, ré, fa, la. La do mi sol. Sol si ré fa la. La do mi sol. Ok? Ça écrit des fois. N'a pas lu écrit des fois. Exercice avec les deux fa. Sol, si, ré, fa, la. Comment grave ça fait? Ok, note qui passe avant. Ok. Ok, donc c'est comment? Comment sont disposés? Comment sont disposés? Comment sont disposés l'un après l'autre? Comment sont montés? Comment ils descendent? Donc ça c'est grave là. On va aller là. Sol,
Si, il dit tout ça c'est sol, tout ça c'est si, tout ça c'est ré, tout quatrième mineur c'est fa, tout cinquième mineur c'est la. Sol, si, fa, la, do, mi, sol. Sol, si, fa, la, do, mi, sol. Ok, sol, si, ré, fa, la, ré. Ok, ré, fa, si, ré, sol, fa, si. La, ré, fa, si. Sol, si, ré, fa, la, ré, fa, si, ré, sol, fa, si, la, ré, fa, si. Ok? Sol, si, ré, fa, la, ré, fa, si, ré, sol, fa, si, la, ré, fa, si. Nous revenons avec vitesse. Graduellement, pour de temps en temps, pour augmenter la vitesse. 1, 2, 3, 4, sol, si, ré, fa, la, ré, fa, si, ré, sol, fa, si, la, ré, fa, si. Ok, de temps en temps, pour monter la vitesse. On n'a pas fait exercice avec un tenu en clé de fa. Nous-mêmes, nous voulons faire la caille. Nous mettons la caille, non? Donc, si vous avez besoin de caille, nous avons. Ok? Si vous avez besoin de livre avec devoir, tout parce que nous allons commencer par devoir là, à partir de cours ça là. Donc, devoir disponible. Donc, vous pouvez seulement enregistrer, relez-nous. Et puis, si vous avez besoin d'enregistrer comme étudiant actif pour qu'on ait un devoir avec livre, avec document. Ok? Et puis, nous avons une évaluation, tout, nous avons fait tout à chaque fin de module. Ok, et à chaque fin de mon jour, de temps en temps, nous avons une évaluation après. Ok, parce que chaque devoir est censé être une évaluation. Ok, donc devoir, nous commençons avec devoir. Devoir disponible pour que ce soit le monde qui a besoin. Pour les noms, nous avons deux modalités pour enregistrer. Pour nous avoir du voyou pour que nous capables d'accompagner l'enseignement ça que nous allons faire. Donc c'est un enseignement qui est censé être gratuit. Mais si vous voulez supporter nous, vous êtes capable de faire comme un supporter. Donc vous faites un don. Vous capable pour ça tout, vous capable d'enregistrer comme étudiant actif. On a envoyé des voix pour, on a envoyé des documents pour. Et puis. Après, pour retourner à nous-mêmes. Ok? Donc, nous allons voir comment tout ça fait. Donc, nous allons voir de voir avec les vieux à tout le monde de manière particulière ou bien personnelle. Ok? Exercice avec mes amis. La domicile. Exercice avec mes amis. La domicile. La, do, mi, sol. Do, mi, la, do, sol. La. Ok. Comme on avait. Ça passe encore.
Ok. Ça, c'est non yo avec interdit. Ça, c'est non interdit yo. Ok? Non interdit yo en clé de fa. Non interdit yo en clé de fa. Donc, on va la, do, mi, sol, do, mi, la, do, sol, mi, la. La, do, mi, sol, do, mi, la, do. Ok? La. Do, sol, mi, la. Vous voyez, avec un mouvement, métronome. 1, 2, 3, 4, la, do, mi, sol, do, mi, la, do, sol, mi, la. Ok, ça avec un mouvement métronome. Ok, on va monter de temps en temps, monter graduellement, monter vitesse ça. D'après là, 1, 2, 3, 4, la, do, mi, sol, do, mi, la, do, sol, mi, la. On est capable de toujours utiliser ça comme référence en l'autre technique, on va utiliser ça comme référence parce que tout ça aussi sol, tout ça aussi do, mi, tout ça aussi do, tout ça aussi la. Ouais. La, do, mi, sol. Do, mi, la, do, sol, mi, la. On prend ça, yo. On prend ça comme référence par rapport avec ça. Yo. Ça, c'est sol. Ça, c'est mi. Ça, c'est do. Ça, c'est la. La. Do, mi, sol. Ok? On prend ça, yo, comme référence, comme point de repère, mon cas. Opérer dans l'igno ou bien avec interdit. Ok? Le travail de mémoire, ça vient fait. Donc, pas de problème avec non l'igno, avec interdit. Ok? Donc, on a là, on a prêté là avec non l'igno avec interdit pour qu'on ait, pour la pandémie, paquet, pour que vous capable. Barrière, ça, vous capable de traverser les lignes, entre deux, pour faire traverser la barrière, ça, toute l'autre bagaille. Après, c'est facile pour vous. Pas oublier, abonner, partager et puis liker. Ok, pour faciliter plus le monde, apprendre la musique là. Et puis, encourager nous tous. Ou même enregistrer comme étudiant actif. On a toujours tout ça pour capable enregistrer comme étudiant actif. Pour que nous capables d'accompagner et capable, ou même tout capable de poser des questions. Et puis pour nous répondre à la question. À la prochaine pour la prochaine cours. D'accord. Bye bye.